Eh wesh, salut ma couille, c'est Juju, comment ça va? On se retrouve pour la suite de No More Heroes? Parce que finalement on arrive à la fin, il nous reste trois types à buter, puis après fini. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avant? Avant d'aller. Moi je sais ce qu'on va faire. On va aller changer de style. Si on peut, hein. Là. Alors, on va voir ça. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Genre, on va voir les t-shirts. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Alors, nouveau. C'est vraiment dégueulasse pour le coup. On a ça. C'est vraiment dégueulasse. Celui-là a l'air stylé. Pardon, celui-là. Mais je sais pas ce qu'il y a écrit dessus. On va prendre ça. On lira après ce qu'il y a écrit dessus. Parce que si on change de veste, c'est quoi comme nouvelle veste? Oula. Ça, ok, ça je dis ok. Vas-y. C'est quoi un télo au-dessus? Ah ouais, ça non, ça non. Ça non. Pantalon. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? Un jogging, vraiment? Et le pantalon assorti à ma veste? Bah vas-y, écoute. J'ai pas assez de fric, vraiment. Oh merde, là. Les lunettes. Oh, ça, c'est moche, hein. Ça aussi. De toute façon, on a plus de fric. Bracelet. Le bracelet, on s'en fout depuis le début. Ceinture. Bah, écoute, ça va aller, hein. Ça va aller comme ça. Chaussures. Ah, ça, c'est les chaussures assorties à mon autre tenue. Ouais. Je me dis, est-ce que ce serait pas mieux? Le t-shirt noir. Avec la veste blanche comme ça. Ouais, non, même pas forcément. Blanc, ça va. Faudrait que je voie la tenue au complet. On va aller voir là si par hasard elle a une nouvelle épée. Je me souviens qu'il y en a une à 300 000, mais putain, mais comment je monte à 300 000? Faut faire des mini-jeux en boucle, c'est ça, mais ça me fait déjà chier. Arrête de me relooker, je sais à quoi tu penses, c'est mort. Dommage. Ouais, il y a celle-là à 300 000. Dégage de mon labo. Aïe, dommage. Le bas qui blesse. Donc une nouvelle épée, oui, mais elle est à 300 000. Bon, c'est pas une nouvelle, elle est là depuis le début. Je vais aller voir quelque chose dans mon hôtel parce que apparemment je peux enlever mes vestes maintenant. Je peux enlever ma veste. Du coup, on va pouvoir lire ce qu'il y a sur le t-shirt. Ce qui est tout autant important que de continuer l'histoire, on est d'accord. Sans veste. Flug in there. Si vous comprenez ce que ça veut dire, dites-moi. Mais... Flug in there. Lousy kite. Si tu veux. Est-ce qu'on se met pas une fois comme ça pour une mission? Allez, pour une mission. Mais. Puis du coup, on va profiter de mettre un t-shirt un peu plus stylé, non? Celui-là, il est pas mal. Celui-là est excellent. Bah, écoutez, on va mettre ça.
Voilà, pour une mission, on se bat comme ça. Est-ce qu'on doit aller voir qui maintenant en fait? On doit aller sur l'autoroute. Ah oui, bah voilà, celui-là, je me souviens lequel c'est. Là, préparez-vous à être... à ne pas comprendre parce que ça n'a aucun sens. Alors, je peux sauter. Ce que vous allez voir n'a aucun sens. Ah mais attends, je suis pas censé défoncer tout ou bien je suis censé sauter par-dessus comme ça? Aucune idée. Bah pas mal ça. Séquence de gameplay qui sert à rien, mais bon, j'imagine que c'est pour l'immersion ou un truc comme ça. Wow, ok. J'imagine c'était pour ça. Santa Destroy is a magnet for the bizarre. There are things I still don't understand. It is a melting pot. Vous mettez où vos yeux là? Non, franchement, je vous ai vu hein. Ah, c'est pas fini. Alors écoutez, c'est pas fini en fait. Ouais, si tu veux, écoute. Me dis pas que je vais devoir recommencer. Je peux pas quitter. Bon bah écoutez, je fais une petite ellipse et puis on se retrouve après. Bon écoutez, je suis de retour sur cette séquence. Je me souviens plus exactement où c'est que je me suis bloqué, mais on va essayer de... Je me souviens que c'était juste... Je viens juste que c'était à gauche, donc on va essayer de pas trop coller la gauche. Je crois que c'était par là. À mon avis, on l'a évité là. Parfait. Voilà, et là, c'est là que ça devient chelou. C'est là que je me suis dit que ça n'a plus aucun sens. Space program now? Attack unsuccessful. Reacquire target and eliminate enemy. Voilà.
Donc ce type est le troisième meilleur assassin du monde. Attends, quoi, il se téléporte? Voilà où on en est. Au niveau du what the fuck, on est loin. Attends, mais qu'est-ce qui me touche là en fait? Qu'est-ce qui me touche? Ça là-bas? Ah mais c'est la pizza. Ouais, c'est la pizza d'avant, ok. Ce mec est un des meilleurs assassins parce que il tue les types avec des lasers, c'est ça? Eh, mais je viens de réaliser, mais c'est Brandon en fait. C'est Brandon du Let's Play Lifeless Planet. C'est lui, hein. Oh, c'est bon là, les cailloux ils sont où? Non! J'aurais dû me laisser le finish là. Il disparaît, c'est ça? Ouais, il disparaît. Et il va. Je ne sais où. Il est là-bas. Pour aller. Pour le coup, lui, il est vraiment pas dur. Hein. Faut juste lui tourner autour pour le taper par derrière. Et là, il est déjà tourné, ça n'a aucun sens. Ah, cette fois, je l'ai eu, merci. Les lasers, c'est facilement évitable. Les cailloux aussi. Bon, on voit la difficulté. Il suffit que je dise ça, évidemment. Qu'est-ce qu'il branle? Quoi? Ah ouais. Non, on va pas trop rester par là, du coup. Ok.
commence. Je suis juste censé fuir ce truc, c'est ça? J'imagine. Hop! Et voilà. Ouais, lui pour le coup il est vraiment pas dur. Non mais je l'ai fait, abuse pas. Et voilà. On bosse un peu spécial, hein. Le mec était un zombie. It's over, Captain. This is Earth. Yeah. Welcome home. So, I'm finally back. After all this time, fresh oxygen, blue sky, beautiful as I remember. Glory to the Soviet Union. C'était un russe. Captain Vladimir. Bref. You are now ranked third. Just leave him alone. Let him rest in peace. We must dispose of the remains. It's policy. Screw your policy. He's back with the Earth after who knows how long. You're not gonna suck him up with your damn vacuum. Bon, il était mort quoi qu'il arrive, de toute façon. Écoutez. Ça va peut-être être un épisode un peu court, mais on va se couper là. Comme ça, je vais pouvoir aller un peu farmer l'argent. Et m'acheter enfin le sabre. Le sabre. Et la nouvelle tenue, là. La nouvelle tenue un peu flashy. Enfin, non. Beige, je sais plus comment elle est. Il a dit damn you à la fin, on est d'accord. Et ça a été traduit par va te faire foutre. C'est pas tellement comme ça que j'aurais traduit ça, mais bon. Bref. Je vais vous laisser là. Ah ouais, attendez, merde, j'ai oublié de faire ça en fait. Ouais, on est d'accord. Lire les magazines, ça te permet d'apprendre une nouvelle prise de souplex. Donc il faut le faire quand même. Donc voilà. Bref, je vous laisse là. Je vais fermer un peu les golds. Comme ça, au prochain épisode, on aura la tenue. Et en plus, j'espère, le nouveau sabre. Allez, je vous dis salut. Ciao, ciao. Et à la prochaine.